Les 12 bienfaits du tamarinier noir. Le tamarinier noir a pour nom scientifique Dialium guineans. C'est un arbre qui produit un fruit noir velours qui est connu sous différents noms en Afrique de l'Ouest. Ce fruit présente des vertus intéressantes que nous verrons dans cet article. Le tamarin noir est un fruit très utilisé en Afrique de l'Ouest. Il porte d'ailleurs plusieurs noms suivant les pays et les régions, dont Atito et au Togo et au Bénin, Makpoussa en Morée, Burkina Faso, Solom au Sénégal et Chat noir en Côte d'Ivoire. Pour comprendre ses bienfaits, nous allons d'abord étudier sa composition. Composition. D'après les recherches scientifiques, la pulpe du tamarinier noir se compose d'une grande quantité de potassium mais aussi de la matière organique, des matières sèches, des glucides et de très faibles quantités d'acide ascorbique, de protéines brutes, de matières grasses, de fibres brutes et de cendres. Ainsi, les nutriments les plus importants que compose le tamarinier noir sont les glucides et l'acide ascorbique communément appelé vitamine C. On y trouve aussi du potassium, des protéines et des matières grasses. Les bienfaits du tamarinier noir. Le fruit et l'arbre du tamarin noir possèdent de nombreux bienfaits quand ils sont utilisés correctement. Ce fruit acide et sucré aide à la réduction du risque de contracter les maladies du cœur, à vaincre l'anémie et même traiter le paludisme. Dans cet article, nous allons citer 12 des multiples bienfaits du tamarin noir. 1. Le tamarin noir réduit les risques de contracter les maladies chroniques. Les maladies chroniques sont des maladies dont il est difficile de guérir. Les malades doivent passer toute leur vie à réduire les symptômes de ces maladies. Pour ne citer que 2 à titre d'exemple, le diabète et l'asthme en font partie. Les causes de ces types de maladies viennent des substances chimiques très réactives appelées les radicaux libres. Ces derniers viennent naturellement des déchets, provenant des réactions chimiques permettant aux cellules de convertir les acides gras et le glucose en énergie grâce à l'oxygène. Pour lutter contre les radicaux libres, l'organisme se sert des antioxydants pour les emprisonner, les rendant inoffensives à l'être humain. On trouve les antioxydants dans tous les aliments riches en vitamine C comme la pulpe du tamarin noir velours. 2. Le tamarin noir prévient l'hypertension artérielle. L'excès de sodium dans l'organisme empêche le rein de fonctionner correctement, ce qui engendre une quantité plus importante d'eau dans le sang et donc l'augmentation de la pression artérielle. Une décoction faite à base de feuilles de tamarin velours noir prévient l'hypertension en aidant les reins à mieux évacuer l'excès de fluide de notre organisme. Le potassium qui le contient équilibre la quantité de sodium dans le sang et facilite l'extraction de l'eau des cellules par phénomène d'osmose. Pour prévenir l'hypertension, il est recommandé de consommer des fruits contenant du potassium et de réduire la quantité de sel dans nos aliments. À part la pulpe du tamarinier noir, les fruits riches en potassium sont les noix, l'avocat, la banane et surtout la datte séchée. 3. Le tamarin noir combat les risques de maladies cardiovasculaires. Les maladies cardiovasculaires sont les plus grandes causes de décès au monde. Beaucoup de facteurs sont à l'origine des troubles cardiovasculaires. On y trouve une mauvaise alimentation, l'inactivité physique, la consommation de tabac et l'excès d'alcool. Les conséquences remarquées sont l'augmentation de taux de glucose ou de lipides dans le sang, l'hypertension et enfin le surpoids et l'obésité. Pour réduire les risques de maladies cardiovasculaires, il est recommandé de consommer des aliments riches en vitamine C comme la pulpe du tamarinier velours. Le citron, les oranges ou le pamplemousse préviennent aussi les maladies liées au cœur. 4. Le tamarin noir soigne le paludisme, bienfait favori. Les feuilles du tamarin à velours noir inhibent la croissance du Plasmodium falciparum, le parasite responsable du paludisme. Une décoction à base de feuilles du tamarin velours permet de soigner les malades atteints du paludisme. 5. Le tamarinier noir traite les ulcères gastriques.
La consommation d'une décoction à base de feuilles du tamarinier noir augmente la sécrétion de mucus gastrique, ce qui permet de prévenir l'ulcère gastrique. 6. Le tamarinier noir traite la carence en fer ou l'anémie. Le fer est un nutriment important pour l'organisme. Il agit principalement dans le stockage de l'oxygène dans le sang. Il est aussi présent dans les muscles afin de le fournir l'oxygène nécessaire pour fonctionner. Une faible quantité de fer dans l'organisme entraîne l'anémie ferriprive qui se caractérise par un manque de globules rouges dans le sang. Cette maladie est aussi la conséquence de la faible absorption du fer dans le sang par l'organisme. Pour prévenir l'anémie due à la carence en fer, il faut consommer les aliments riches en vitamine C. La pulpe du tamarin noir permet de prévenir l'anémie grâce à la vitamine C qu'il contient en abondance. 7. Le tamarinier noir augmente les antioxydants dans l'organisme. Les antioxydants permettent de lutter efficacement contre les radicaux libres dans notre organisme. Les radicaux libres sont des molécules très réactives responsables de plusieurs types de maladies dont les maladies chroniques. Les radicaux libres sont aussi responsables du vieillissement des cellules et donc le vieillissement de l'être humain. Le rôle des antioxydants est de détruire les radicaux libres en les rendant inoffensifs à l'organisme. La forte quantité des antioxydants contenus dans la feuille du tamarin à velours noir permettent de ralentir efficacement le vieillissement d'un individu. Pour prévenir les radicaux libres, il faut réduire au maximum la consommation des aliments industrialisés, le contact avec les produits chimiques et les pesticides. 8. Le tamarinier noir augmente la lactation. La plupart des nouvelles mères souffrent d'insuffisance ou même d'absence de lait dans de rares cas. Pour augmenter la lactation, les mères dans certaines régions de l'Afrique de l'Ouest consomment la pulpe du tamarin noir. 9. Le tamarinier noir booste l'immunité en renforçant les globules blancs. Les globules blancs sont des cellules conçues pour lutter contre les infections et les maladies. Ces cellules du système immunitaire sont créées dans la moelle osseuse pour nous protéger. Lorsqu'elles sont en faible quantité dans notre organisme, une mauvaise bactérie peut devenir un danger mortel pour l'homme. C'est pourquoi la qualité de notre système immunitaire dépend en grande partie de la qualité et du nombre de nos leucocytes, globules blancs. La production de cette dernière dépend de ce que l'on mange. Une étude a montré que la vitamine C renforce notre système immunitaire en augmentant la mobilité des globules blancs. Elle favorise aussi la production des immunoglobulines, responsables de la différenciation des cellules dangereuses ou non. Le tamarin noir étant un fruit contenant une grande quantité de vitamine C, booste notre organisme en renforçant les globules blancs. 10. Le tamarinier noir traite le diabète. Le tamarin noir, en plus de ses valeurs nutritives, dispose de plusieurs capacités. Celle de réduire le taux de sucre, communément appelé glycémie, dans le sang et d'augmenter la sensibilité à l'insuline. Ce dernier est une hormone sécrétée par le pancréas pour réguler notre glycémie. Les personnes souffrantes de diabète de type 1 ne peuvent pas sécréter d'insuline. Ceux de type 2 en produisent mais le corps s'en sert mal. C'est pourquoi certains doivent s'injecter de l'insuline. Les personnes qui favorisent des traitements naturels voudront utiliser le tamarin velours noir. Attention, cela n'exclura pas les visites médicales. 11. Le tamarinier noir soigne l'hémorroïde. Le tamarin velours noir permet de soigner l'hémorroïde et l'état grâce à sa composition nutritive particulière. L'éthanol que contient ce fruit permet de rétrécir les abcès tout en réduisant l'inflammation. 12. Le tamarinier noir réduit le taux de mauvais cholestérol dans le sang. La pulpe du tamarin velours noir contient des fibres très utiles pour réduire le taux de mauvais cholestérol dans le sang. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Cliquez sur j'aime et partagez autour de vous. Abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines publications.